Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous, amis internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en bonus, je vais vous montrer, voilà, des Cake Pops. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais toute contente d'avoir commandé mon moule à Cake Pops. Et bien voilà, je l'ai reçu. Donc, je vais vous montrer comment réaliser de fameux petits Cake Pops. Donc, c'est une nouvelle spécialité qui nous vient forcément des États-Unis. Regardez, pas mal, non? Il n'y a que pour trouver des trucs pareils, ils sont vraiment barres chez ces Américains, mais moi, j'adore. Donc voilà, donc... un délice. Alors, pour commencer cette recette, fameux, il nous faut 100 g de beurre fondu, 100 g de farine, 100 g de sucre, une demi-cuillère à café de levure chimique, et il nous faut aussi 2 œufs. C'est génial. Pour les cadeaux d'anniversaire, les goûters, c'est top du top. Alors, vous allez prendre votre beurre. Voilà. Vous y mettez votre sucre directement dedans. Me régale. Ensuite, vous faites bien fondre votre sucre dans votre beurre fondu. On touille, on touille, on touille, comme d'hab, on touille, on touille, on touille. Regarde, je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est une petite sucette en cake, en fait, tout simplement. Après, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Pour les gosses, c'est top du top. Au moins, ils ont leur petite ration de gâteau, ils font pas de miettes, et voilà. Ensuite, on y fout, allez, on y fourre notre farine. On mélange le tout correctement. Vas-y qu'elle mélange, et on y ajoute nos 2 œufs. Hop, on mélange. Je pense que j'ai déjà dû mettre la levure chimique, mais j'ai pas fait attention. La fille folle. Ça se mange sans pain. Les petits cake pops. On touille, on touille, on touille. Donc toujours le fameux en touille. Vous avez remarqué que je dis de moins en moins, et voilà, je prends sur moi, j'essaye de un petit coup de Maryse pour racler bien le fond pour tout soit homogène. Et vas-y qu'elle touille l'autre, vas-y qu'elle s'énerve. J'en mangerai bien un autre hors caméra. Je peux pas. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Bon, j'espère que vous faites les recettes à la maison. Hein. C'est pas le tout de les regarder, hein, comme j'avais déjà dit avant. Allez, on se motive. Un bon coup de fouet, voilà. C'est bien liquide. Ensuite, vous allez prendre vos moules à Cake Pops. Donc moi, j'utilise un moule. Une prochaine vidéo, je vous montrerai pour ceux qui n'ont pas de moule, parce que je l'ai acheté aux États-Unis, le moule. Ça se vend pas en France, malheureusement. Je vous montrerai comment les faire à la main. C'est différent. C'est différent, je vous en dis pas plus. Voilà, donc vous prenez votre moule à Cake Pops. Vous allez remplir avec une cuillère. Vous allez d'abord beurrer votre moule sans le fariner, il n'y a pas besoin. Et là, vous allez remplir vos demi-sphères. Vous les remplissez jusqu'en haut. Voilà, voilà, on les remplit jusqu'en haut à la cuillère. Bah oui, hein. J'ai pas pensé à faire à la poche. Tant pis. Donc voilà, la fille folle. Donc on évite d'en mettre sur les bords, hein, parce que je sais qu'il y a des cochonnes parmi vous qui savent pas travailler proprement. Donc voilà, on remplit toutes les demi-sphères de pâte à cake. Après, vous pouvez faire la recette que vous voulez. Voilà. Allez, la fifole. J'ai pas fait l'accélérer, non. Non, j'ai pas fait l'accélérer cette fois. J'ai coupé au montage. Ouais, elle coupe ou elle coupe pas, le connasse. Ah, voilà. Elle coupe au montage. Elle a rempli ses moules. Elle met la deuxième partie pour fermer les demi-sphères. Pour
faire des petites bouboules. Elle met ses petites pinces en silicone de chaque côté au cas où vous auriez mis trop de pâte ou qu'il y ait trop de levure et que ça gonfle, gonfle, gonfle. Et ensuite, on va les enfourner dans un four chaud. Un four chaud à 180 degrés. On cuit beaucoup de choses à 180 degrés. Hein. À 180 pendant environ 10 minutes. Ouais, 10 minutes. 10 minutes, ça suffit largement. Ensuite, après 10 minutes de cuisson, vous allez voir, petite bouboule, mais à tout de suite après une courte page de publicité. You pop them, you dip them, decorate them, and devour them. They're Bake Pops, the new scrumptious cake on a pop stick you can take. And now everyone can make them fast and easy with the amazing new Bake Pop Pan. I love Bake Pops. We made delicious double chocolate, strawberry cream, and I even added my favorite cookie crunch. Watch how easy. Just fill with any cake mix. Place on the custom lid, have an adult pop them in the oven. Then, wow, you've got 18 perfect Bake Pops. The unique design and durable non-stick coating releases each one with ease, so you can decorate as you please. Create fun animals and make them come to life. Any holiday theme is such a breeze. You can even sweeten them up to look like ice cream cones. Bake Pops are moist, delicious treats that combine the sweet taste of cake on the convenience of a pop stick, so now everyone can grab and go. No forks, no plates, and no hassle. There are hundreds of different ways to decorate Bake Pops. They're fun to make and yummy to eat. Bake Pops are the newest sensation, guaranteed to impress your guests. Ideal for birthdays, showers, and anniversaries. Store-bought cakes are boring, and similar treats cost a fortune at the bakery. But you can order your Bake Pop pan and decorating idea. Et maintenant, on cuisine. J'ai pas pu m'en empêcher. Oui, il fallait que j'en prenne un autre. Voilà. Chocolat, glaçage, chocolat. Et voilà, donc vous sortez vos petits cake pops du four. Donc voilà, les petits trous au-dessus, c'est justement pour si ça déborde, vous pouvez, là vous enlevez l'excédent. Vous pouvez retirer l'excédent. On retire le surplus. Et alors là, attention, comme par magie. Qu'est-ce qu'elle nous fait la godiche? Et voilà, regardez ces petites bouboules. On vérifie bien la cuisson. Bon alors, tu la vérifies ta cuisson? Regardez ces petites bouboules, elles sont-ils pas mignonnes? Et une petite bouboule. Me régale. En plus, je n'ai pas mangé. Je sais, je devrais pas, c'est mal poli, hein. Mais bon. Voilà, regardez ces belles petites bouboules. Et bien maintenant, je vous dis à tout de suite pour le récapitulatif des ingrédients. Il nous faut 200 g de beurre fondu, 200 g de farine, qu'est-ce que je dis moi, 100 g de beurre fondu, 100 g de farine, 100 g de sucre semoule, 4 2 œufs et une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà, voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la décoration de nos cake pops et le montage. Montage et réalisation. Gros bisous, bisous, à tout de suite. Et bien voilà, nos cake pops sortent du four, ils ont refroidi une bonne petite heure histoire qu'ils soient bien froids. Donc voilà, on va passer ensuite à la déco. Par contre là, je vais tout faire en gros plan comme ça sera beaucoup plus simple pour vous et vous verrez tout en détail. Voilà, voilà.
Et bien voilà, nos cake pops sont enfin terminés. Moi je les ai piqués sur un petit cône en polystyrène que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Genre Paul Even, tout ça, ils font souvent des gros blocs de polystyrène. Ou alors si vous n'avez pas de petits bâtons et pas de polystyrène, vous pouvez les mettre dans des petites caissettes en papier, comme quand on a des petites mignardises. Donc voilà, donc on fait tourner des vidéos, on les partage, on les commente, on me laisse les suggestions pour la roue de la gourmandise. Donnez-moi vos idées de recettes, que je puisse les réaliser pour vous. Voilà, n'oubliez pas mon site internet www.lecocochot.com, ma page fan Facebook Le Cocochot Transformiste. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Gros bisous, bye bye.